il y a des gens qui, quand ils achètent le code routier et d'autres ne partent pas à auto-école, ils se disent qu'en allant à auto-école avec leur argent, on va leur donner le permis immédiatement. Mais sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle se conduire, connaître conduire, la route des muettes. C'est les panneaux de signalisation que nous, on doit respecter ça. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup se disent quand la route est libre sur un passage coupé comme ça, il ne doit pas s'arrêter pour attendre que le piéton passe. C'est un passage piéton. Le piéton est prioritaire sur sa route. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais moi, en tant que citoyen camerounais, moi je suis un basculeur du côté de Douala 3e. J'ai fait mon auto-école, c'est à l'auto-école que on m'a vraiment beaucoup expliqué cela. Et moi, je respecte cela. Et je demande à mes frères de beaucoup respecter et d'aller dans les auto-écoles pour prendre les connaissances, la voie routière. Puisque l'auto-école est là pour vous enseigner. Le feu rouge et le feu vert, le feu jaune. Donc, déjà, quand le feu rouge s'allume, le piéton doit automatiquement traverser puisque le véhicule doit aussi automatiquement s'arrêter. Le piéton doit respecter le feu. Puisque quand le feu est vert, le piéton ne doit pas traverser puisque à l'heure là, il est en paix de priorité. Je demande au piéton de regarder souvent le feu dès que c'est rouge. Et ils traversent toujours sur leur passage. Ils sont à priorité sur leur passage. C'est tel que vous voyez là, c'est leur voie qu'on a réservé sur la route. Et ils vont traverser lorsque le feu est rouge. Donc, ils demandent au piéton de respecter ça. Ils demandent aussi aux usagers de la route de respecter le piéton. Lorsque ils sont passés, lorsque le feu est rouge.